So, il y a un désir de la chair. Hein? Dans la photo, il y a un désir de la chair. Moto yo a crucifié ma passion na été. Comment est-ce qu'on peut plaire na Nzambe? Comment là? C'est non, mon ezaba désir de la chair parce que nous autres né c'est ngakablo quoi bon. Ça dit que vous à la sapeur. Ils a pas pour ça nous autres. Ce n'est pas le désir de l'esprit. Pasteur, habillement noé et commis scandale l'église en Nzambe. Hein? C'est n'évité au sang d'ennemi. Jésus le Saint-Esprit au ezakatina yo ko diriger pasteur, un prophète de Dieu. N'a pas direction. Parce que cela a scandalisé. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Mais comment ça se fait que je pousse dans l'esprit de Dieu, je vais poser un acte pour que je puisse payer plusieurs. Toujours à la mambia. Ah! Waouh! Ça fait mal, hein, papa Alain. Au prophète, hein? Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Gloire au Seigneur, nenge sale bimaboye. Ça fait mal, amo. Naebisa ki bango mamboyo. Ezala bon. Pasteur Simon Seliaf, ça dit que nzamba a rejeté. Parce que Dieu regarde au cœur. Un homme de Dieu, Dieu regarde au cœur. Dieu nous amène à la perfection, ça dit qu'on doit grandir. Lorsque une église, tu dois grandir. Mais lorsque tu ne grandis pas, un pasteur, un homme de Dieu, si tu as coulé ça, bon, papa, ça fait mal. Ça blesse. Si tu as dans le lobby comme moi, si tu as dit son nom, ça blesse. Dans l'église de Dieu, voir un prophète, on a yébi. Impossible de plaire à Dieu. Pour voir un peu de quoi on a. Ça dit que Hazard a s'affectionné à ma caméra bonzoto. Papa, si tu as dit que tu as perdu l'intimité, tu as dit que hein, que ça peut arriver, la bowling, la bango, les vidéos peuvent sortir. Mais deux, hein, c'est bizarre. Shalom à vous tous. Banyoronyo so bazola na biso de partout dans le monde. Nzambe ya pambola bino. Je suis le prophète Henri que plusieurs connaissent aussi. Pour na bato ba bibi sauté, je suis le prophète Henri. En tout cas, je viens auprès de vous par rapport à cet orphelinat oyo initiative ya par la grâce de Dieu et papa Alendele. Par la grâce du Seigneur pe na idée au Nzambe ya péché ya osangisa bana oyo bazanga baboti obiso tokomi baboti na bango. Sinon je voyais plusieurs fois ba action abane ko sala libanda komaza ko sunga asungi non seulement ba orphelin na moni même bashi bazanga ki banda ku batongeli bango ba bisika na mona ki même ba fille mère ba makokite a sunga ki bango. En tout cas j'ai vu cet homme faire un grand travail na don au Nzambe péché ya libéralité. Et alors que Nzambe a tient en mécanisme naïe, na esprit naïe, azo esika pour na kota sko bana oyo bazaba na bitike, to tia bango na esika oyo
pour encadrer bango, pour bango payer le meilleur de la vie, la chance de devenir batou. Parce que quand on a l'orphelin, ils ont été que ils ont été qui abandonné, ils ont été que ils ont un espoir et vite. Mais ces enfants aussi ont le droit de vivre erré, comme on appelle le batou. Combien de ministres aujourd'hui, combien de grands hommes aujourd'hui, ils ont été orphelins, ils ont été batou. Alors, si par la grâce du Seigneur, orphelin moko akobika nanzela na yo zo landanga orphelin moko akolia nanzela na yo zo landanga si par la grâce du Seigneur même Minerva orphelin moko uta nanzela yo zo landanga le Seigneur ne manquera pas à te bénir en accord avec Ésaïe chapitre 58 la Bible dit soko pesi ou asangi akolia le ko akolia soko pesi ou asangi akolata le ko akolata la gloire de l'Éternel et kotambwana mutuana et sa guérison germera promptement. C'est-à-dire que sur tout le plan de la vie à Moutouana, spirituellement et physiquement, nous avons visité Batouandengwana. C'est pourquoi quand on a dit que Bazu est Sika, pour nous faire encadrer Bango, je voulais être la première personne Yagoya, qui bon d'abord pour les Sika, qui recommande à Mabou Nzambe, et puis voir ce qu'on peut aussi par rapport à la capacité Nabiso. Mais si moi, prophète de l'Éternel, j'accepte peut-être de soutenir un peu spirituellement et pourquoi pas financièrement. Ce n'est pas pour notre avantage, ni avantage à papa Lendele, mais c'est pour l'avantage du royaume. On est beba, on est là, on a des formations, on est là. Mais si, au deux les bas âges, on a une formation, on a une formation, on a une formation, on a une formation, on par où Dieu est passé, pour qu'on ait une formation, pour qu'on ait une formation, pour qu'on ait une classe, pour qu'on ait une. Dieu se souviendra même de tes enfants. Même l'absence de toi, à toi, Zali, si tu es un orphelin, tu es un canisse, tu es un boti. Tu es un passe, tu es un rappel, tu es un jour, tu es un orphelin, tu es un orphelin. Alors l'Éternel, souviens-toi de moi. Dieu est un Dieu de gratitude, il le fera pour vous. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Réalité et réalité, votre magazine, comme d'habitude, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache NTV Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro, puisque nous sommes déjà au début de la semaine. En tout cas, bon début de semaine à vous. Toutes nos mamans qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine, nous pensons à vous, clin d'œil spécial à vous. Merci à maman Marie M5 depuis Liège, celle qui représente la fondation Dès le cœur de la nation. Et aussi Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires. Merci à ma Brigitte Malélé. Vous êtes très très nombreux, vous qui nous suivez, puisque vous, il y a aussi ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre à partir de l'intérieur. En tout cas, tous en essayant. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez une nouvelle tendance télévision. Vous allez belé et vous abonner sur votre chaîne. Nous précisons à la prise de vue, nous avons Gédéon, assisté par Sarive. La réalisation, comme d'habitude, Jonah et Jordan Panzou. Donc, c'est avec cette équipe que nous travaillons. Alors, nous avons pour la énième fois le plaisir d'avoir sur ce plateau un invité. Et comme vous le savez déjà depuis un certain moment, Tozala Azala, toujours naïf. Alors, lui, c'est un pasteur. Oyo Azali, parmi Batou Barbezo Bouna, que Banti Valeur ici, là. Nakatia Église. Corps du Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. Alors, de temps à autre, lorsqu'il y a quelque chose qui cloche, Azal sera très disponible pour encore répondre et enfin pour apporter lumière à Nazambe. Il fut un artiste déjà, profane, musicien profane, mais aujourd'hui, il continue toujours avec l'art, bien sûr, d'un côté, Azal pasteur en même temps. Et cela n'exclut pas qu'il puisse être, continuer à être toujours artiste, musicien, bien sûr. C'est aussi. Un compositeur, il a plusieurs casquettes en même temps. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain. Na bonjour na balamino sur la nouvelle annonce. Nzamba pambola ba mon père nzamba pambola sur chaîne. Vous sentez très à l'aise na casquette ya lorsque vous êtes pasteur Freddy et berger ou artiste et musicien. Trop très souvent le quoi abino zala star. Bon, Jésus des stars, comme notre frère Georges Aimba, c'est Jésus qui est né Toto Molaraming. Je suis très bien dans toutes mes casquettes, manager, pasteur, artiste aussi, et réalisateur aussi. Donc, j'ai béni Dieu, ça va grâce à ma Pessingaï, pour na, toujours continuer mon service à Batouni au Sopra. Je touche le casquette de. La casquette de surtout, je crois. En même temps, depuis un certain temps, vous l'étiez à ce que l'inversion des valeurs est Koufa. Nakati à l'église à Jésus-Christ.
vous avez toujours l'été à ce que bah valeur spirituelle est à la au point bonzambe etika la bonzambe nzambe à la pendant nzambe ba ko sale avec pureté à la tête et la pureté on se date que bazo sangisa nzambe na makambo ebele ebele. Et alors ton manager, lorsque vous faites face à un artiste qui apporte un message, mais message en gros sentir que on dirait dans moi kati moi bloko étranger ça na kati, comment vous l'orientez? Robot ya manager to. Merci beaucoup papa, papa Alain. Mm. Bon, on a qui manager. Premièrement, je suis pasteur. Mm. Et lorsque nous avons Zembo, d'abord, je dois savoir aussi la vie. Il y a Moutou Ayena manager. Hein? Mm. Et lorsque je suis convaincu, na manager. Lorsque je ne suis pas convaincu, na manager. Et conseil toujours, on appelle ça un artiste. Hein? Je suis le manager. Non, on peut se conseil, mais ça l'attache dans Zambé. C'est-à-dire que Lucas Zambé, parce que c'est Dieu qui va. On peut savoir tout. C'est Dieu qui va attirer les gens à consommer ton œuvre. Au moins, conseil Libosso, c'est-à-dire que dans la banque, on peut vivre des prières. Je salue Femme Tamar Kalama, c'est mon artiste. C'est qu'elle chante à Minabo Mamoto. Elle salue Maman Ngomba. Ben César, Thomas Tamangenge, Maman Lukanzam. Na sala rabongo, na baptiste na nganyoso. Maman Sarah Nginama ou plusieurs autres. Au moins, mais ça bongo toujours, premièrement, c'est Dieu. Donc Dieu doit être l'alpha. Et l'oméga. On m'a souvent dit dans Zambété, finalité pèse la mabé. Donc, conseil, c'est d'abord Dieu. Et le reste, c'est net. 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 Ok. Merci beaucoup. Sinon, comme en parlant, il y a Nzembo, Amina Bomamoto, Amina Tchelanganase, Opeti Nayo et tout. Et Nzembo, c'est ça, le but, ça va être moins trop. Je crois qu'il y a d'ailleurs prochainement. Ils ont malam, ce que vous m'aimez. Des fois, il y a Naye pour Ezala Malam. Pour Nago défendre, mais la personne qui est mieux placée, c'est elle-même. Bien sûr que moi-même, je sais comment défendre mon artiste. Pour l'encore, tu es gaga. Face à ma critique, c'est tout ça, là. Bon, Jésus même, lui-même, le maître a été critiqué. Jésus. Il n'y a pas de bâtonnier sauté. Voilà pourquoi papa Alain, c'est la moutonnier sauté à mon avis. Ça, je vais aller. Dieu se peut aller en appétit. Mon Dieu se peut aller en appétit. Jésus a tiré au salam à bien mon côté. Mais il était traité de tous les noms. Belzéboul, imaginez. Alors, si une femme t'a marre à aimer, Amina Boumamot. Et ça, expression, mon thème. Mon Dieu, intimité, mon sou, ce n'est pas un mot, pas comprendre un mot. Il y a un peu de chambre, et il y a un scandale. C'est-à-dire que ça, les solos, ils sont ensemble. Elle est en train de pleurer des réalités à vivre. Au moment qu'elle est dans la Bible, j'aime lorsqu'elle dit « Moutel Bourso a inauguré le paradis, c'était un homme à la croix, un voleur, un brigand. » Au moment, ça dit qu'il a un baptême de ma côte à l'eau. Hein? Dans la grâce, et ça, la mort Moussousou. Donc voilà pourquoi on n'est pas là pour surtout le basso d'unité. Hein? Mais lorsque tu es convaincu, est-ce que cette servante de Dieu, elle est dans la voie ou pas? Mais moi, je vous dis qu'elle est dans la voie. Hein, parce que je suis pasteur, c'est aussi mon ami d'enfance, mon colli. Je sais son parcours, elle connaît aussi mon parcours. Donc, voilà pourquoi je suis content de manager l'artiste comme Femme Tamar et aussi Sarah Nginama, où je suis avec mon papa Moïse Matuta et autres. Donc, je suis toujours là pour des artistes. Et c'est ça mon devoir, c'est ça mon travail, pour booster, pour promouvoir. Oh, Ezali, Moussala en Zambé. Pour que tu aies un panneau publicitaire de Jésus, oh, tu as attiré, tu vas consommer Jésus. Donc, c'est vraiment ça. Ce qui m'a dit, Ezali, tu as été d'une manière ou d'une autre, tu boosteras plus ce qui est Jésus. Quoi. Ok, parfait. Je crois que c'était juste pendant le quota. Le long, on a mis tout ça arrêt sur image. Amen. On a présenté une image manquante. Oh, bah, tu n'y as surtout pas au tal. Gambouté, papa, là, on me l'a dit. D'accord, papa. Sinon, quand même, le roi n'a pas eu. Déjà, c'est bon. Alors, suivons d'abord arrêt sur image. Tout à la pasteur sapeur. Wow. Prophète sapeur. Et évêque sapeur. Papa, il y a un problème. C'est qui pour le prophète sapeur. Il y a une nuance. C'est bon, alors suivons et on se retrouve juste après.
cette fois, ça l'a bien. C'est moi. J'ai une réponse, les amis. Mais au moins, nous avons un téléphone. Nous avons une belle surprise. On a une image à mi-balé. Vraiment. Tout à l'image. Je reprends encore là. Ça fait du bien. Voilà, mon grand prêtre général Def de Faro. Mon général, Mbote, c'est quoi la Nabiso? La PCP. Motorambio. Hein? Viens à Nabiso Denis Lessi. La PCP Mbote, c'est quoi la Nabiso? Sinon, au Taliban, image. Image salie rage sur Internet. Bah, tu n'es pas moi trop. Je ne sais pas si tu n'es pas moi trop. Je ne sais pas si tu n'es pas. Et je suis morti, je suis banté. Bon, papa. Je suis battu. Je suis allé à la papa, avant de battre, je suis allé à 1 Timothée chapitre 5, 20. Avant de battre. Ah! Oui, je suis allé à la verset. 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Verset 20. Et le Bible. Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Donc, amen. Merci beaucoup. Avant de nous parler, nous sommes en poids. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes censés montrer le chemin. Nous sommes censés montrer la voie aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi toujours les grandes missions pour éclaircir. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle. Amen. Moi, je dirais, le roi le bosso, il y a un désir de la chair. Hein? Dans la photo, il y a un désir de la chair. Tout en Galates, chapitre 5, le verset 17. Abiboué, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est clair et net que ce sont des passions de la chair. Ce mouton a crucifié ma passion. Comment est-ce qu'on peut plaire dans Zambé? C'est un homme qui a désir de la chair. Parce que nous autres, nous sommes en rablo. C'est-à-dire qu'il y a la sapeur. Il n'y a pas pour ça, nous autres. Ce n'est pas le désir de l'esprit. Est-ce que si c'est. Dans toute la question, si c'était Jésus, papa, là. Hein? Pour moi, Jésus-Christ est sapeur, Jésus. Il n'y a pas de nom, papa. Bon, le baraka, c'est Jésus-Christ, comme tu as l'air, tu as s'habiller, c'est bien. Hein? Mais ceux qui habillent d'un pasteur comme sujet, il y a scandale. Parce que la Bible dit ceci, ne soyez-en. Ni scandale aux juifs, aux grecs, ni à l'église de Dieu, papa. Dans les Corinthiens, 10, 31, 1 Corinthiens, 31, 32, je crois. C'est que Yusuki, pasteur, habillement noué, et commis scandale en église en Zambé. Hein? C'est n'évité au Saint-Denis. Hein? Parce que tout à la Jésus, est-ce que Jésus, le Saint-Esprit, ou Isaacatina, yoko, dirigeait pasteur, un prophète de Dieu, n'a pas direction. Parce que cela a scandalisé. Hein? Comment voir un homme de Dieu qui est censé nous prêcher Jésus? Hein? S'habiller pas comme un prophète. S'habiller pas comme un homme de Dieu, mais s'habiller comme un homme ordinaire. Or, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Tout ça, ambassadeur, tout ça, représentant légal. Tout ça, ministre de Dieu. Hein, papa Nangai? C'est-à-dire que dans Moussa Nabiso, on ne peut pas s'habiller comme tout le monde. Même si ma désir, on est comme Matabiso. Mais pour plaire à Dieu, dans ces places, sous la Galate chapitre 1er, le verset 10. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou c'est de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc plusieurs personnes, bazo se pelisande batou, bazo se sabanjot na bus, le banjot na bango. Or nous devons crucifier notre chair. C'est sûr que nous devons crucifier nzoto na ye. Ah. Après ça se colle au kumu na Yesu. Hein papa nanga. Donc je regrette beaucoup. Et voilà pourquoi je suis là pour éclaircir les enfants de Dieu.
celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il y a toujours scandale. Ça va égarer plusieurs personnes. On a acte à moutier, papa n'engage, mais ça a fait belle la vie à bateau. Hein? Des gens au bazar censés va croire peut-être qu'à Canela, parce que même la Bible nous dit, lorsque Jésus nous recommande, le Paul nous dit que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Hein? Bah recommander que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. De même, l'homme aussi doit s'habiller avec pudeur et modestie. C'est-à-dire, ces lois ne doivent pas être à la sujet moroboué controversant. C'est-à-dire que ça dérange. Hein? C'est-à-dire, tu vois l'homme de Dieu, mais ça te gêne. Un homme de Dieu n'est pas censé s'habiller comme ça. Au moins, si nous traitons de koulouna par leur habillement, nous jugeons tout le monde qui est brigand, assassin, n'accoutrement n'aille. Et lorsque tu verras maintenant un homme de Dieu s'habiller comme pas un homme de Dieu, papa Alain, et au salon de Dieu, ça va déranger. Hein? Ça va déranger. Donc moi, je regrette beaucoup, ça fait mal. Aujourd'hui, à l'église de Dieu, voir des gens qui sont censés. Bisoban à Tozo, ils ont bébé, c'est la Bisoban Zéla Moussous. Voilà pourquoi tu verras dans la Bible, c'est mieux de finir comme Pierre et non de finir comme Judas. Là, tu peux marcher avec Jésus, mais la finalité des choses. Mm-hmm. Lorsque tu as cette sémence-là, malgré que tu presses Jésus, mais finalité n'est aux Alandais. Tu finiras comme Étienne ou tu finiras comme Judas. Dans l'union, c'est un liwa, mais quelle sorte il y a liwa? Donc il y a la mort qui doit rendre gloire à Dieu. Mais aussi la mort, où il y aura une gloire dans un métier, mais qui t'a aimé mieux sur le roi, égarément. Donc, on a conseillé les lots. Parce qu'à l'église de Dieu, tu as déjà que il y a les blés, il y a livré aussi. Nous, on se croit ensemble. C'est-à-dire que dans la Batmoussou, soupe déjà, baby, le col, sol. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Mais comme ça, ce que je veux pousser dans l'esprit, je veux dire, je vais poser un art pour que je puisse plusieurs. Voilà pourquoi mon que Judas malgré notre manière Jésus à nous imaginer à nos bix ça peut hein nous avons tout pouvoir il y a quelqu'un de chasser des démons tout ça il avait reçu aussi ce pouvoir là mais il était voleur. Faut souligner que Judas était voleur parce que c'est que bah nous côté la trésor non bon comme trésor à manière qu'il y ait cette semence les a battu belé bazana. Ah, c'est l'anza mais ma semence c'est ma bécatinaï. Et voilà le résultat. Merci beaucoup. Là, je suis quand même en quelque sorte des images. Et je suis en train de me poser la question. Oui, qui bah image au dans au mitou dans mon pona bimisa on est compliqué. Oui papa, vas-y. Mais, j'avais promis. Pas bandeko. Non bimisa. Et les gens, j'ai reçu beaucoup d'appels, Bandeko, Anna, Omoni, Papa Alain, tu vois, Moni, tu dois aller dans Zambé, tu dois façon, on a le lingue, on a vu sur Salama Kambou, tout ça là quand même, Moni, veut être modéré, je me pose la question. Vous savez, lorsque un serviteur de Dieu a commis un niveau où il sait que Marambeko est compliqué. Là, ça fait mal. Et hein, quelqu'un s'est dit, prophète, prophète Nabiso, prophète Nabiso, prophète Nabiso, mais un prophète qui se livre t'il à niveau où je me pose la question. Tu vas m'amener ça la maga. Bah y est bah que non église. Ceux qui biloko et bimina et tonga et aux ala souni pour na église. Parce que je ne sais pas en fait na génération. Génération bah papa n'ambiso bah il dit na bah là c'est vrai. Baza peut bah doit peut bah sans tout est baza il peut na erreur. Les erreurs tous en bah tous en erreur. Mais scandale c'est autre chose. Mais une génération qui traîne tout autour des erreurs, c'est comme si bah erreur ndé yangoné. Ezo sala mutu azala. Alors ça fait très mal. Je crois que ngana yo nando tal soka nando tal soka tal sanga papa. Ça fait mal, ça fait mal aujourd'hui. L'église est salue à cause des faux. Bon. Bon, je dehors ako on les a mambo. Yo kaka tout ala kaka na yo. Tous autres ala mambia. Ah. Waouh. Ça fait mal hein papa là. Au prophète, hein? Ça fait mal, ça fait mal. Waouh. Yo mozo ozoma na kombo ozoma. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Gloire au Seigneur. Nenge sale bima boye. Ils avaient malamo. Na ebisa ki bango mambo yo. Ils a la bombe. Ah. Et puis na otiko landa ba live ndeko fandi penda boye na live.
Ben, tu vois, le Seigneur, lorsque... Tu sais, certaines personnes m'ont parlé de Samson. Tu sais, Samson, si il a été livré par manque de sagesse, tout ça, tout ça. Tu sens que quelqu'un éloquent, qui parle bien français, quelqu'un qui donne une autre image. Au moins, on dit « piété n'est awa ». Mais quand tu traînes, tu n'as pas de mon sang, mais quand tu as une image à bosser, tu as une Et puis, est-ce que vous avez une image à filmer? Ah, Zambi Langa. Moi, je ne sais pas si tu as une image à bosser, tu as une image à bosser. Tu as une image à bosser, tu as une image à bosser. Tu as une revanche. Et puis, tu as une image à continuer. Tu as une image à bosser. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont acteurs principaux du film. Réaction quand même à Bilo Rabo. Parce que si on a vu que c'est un peu plus de temps, YouTube. Et quel scandale. Et puis YouTube, il y a des gens qui sont en train de se faire. Je crois qu'on a des gens qui sont en train de se faire. On a des gens qui sont en train de se faire. Parce qu'il faut que l'on soit en train de se faire. Il faut que l'on soit en train de se faire. Et ça, c'est mon papa. Je disais autrefois, j'ai toujours dit cela dans. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 7, bon, mon que Dieu a envoyé le prophète Samuel à qui ne couvre David. Mais lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, c'est Eliab qui se présente. Par l'apparence et par sa grande taille, Samuel s'est dit certainement c'est lui que Dieu m'a envoyé oindre. Or, ce n'était pas lui. David était dans la forêt. Ça dit que beaucoup aujourd'hui, ça dit les faux sont beaucoup publics. Baza public, ça dit que les diables leur fournissent des matériels, de l'argent pour nanini. Mais comme la bongo za nanini, baza la tellement public, ba bon mona bango, que ba pas croire que ce sont de vrais. Or ce n'est pas ça. De vrais sont dans la forêt. Baza plus na attachement na zambe, ça dit baza plus baza public te menza menda bimisa bango, vouloir ou pas. Ba obima. Oh mon âme, mais Babi Magana tient en Zambé. Mais Eliab se présente dans la précipitation. Mais Samuel aussi, malgré qu'il a Dieu, il peut se tromper. C'est-à-dire que les élus peuvent aussi être séduits. Comment? Parce que bah, l'aspect extérieur, l'aspect où ils ont influencé Bango Nalibanda. Voilà pourquoi tu verras des hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont publics, ils parlent très bien français. Très bonne église, des fidèles énormes. Mais quelle sémence où ils ont l'église? Moi, je me suis dit que je suis à maman qui en Afrique du Sud, en tant que comboté. Lorsque je parlais sur des faux prophètes, à se retrouver dans une église, il y a Bongo. À l'autre, le pasteur, il y a un caca, il y a un ndak, il y a un moutouk. C'est-à-dire que dans sa destinée, il y a un envoûtement. C'est-à-dire que si je suis à côté de l'église, il y a un don et couffé, ça a été soustait. Mais ceux qui avaient tellement la sémence en Zambé, ils sentaient qu'il y avait une église. Et non, le Dieu qui faisait des croix, donc, l'Ipamboli, il y avait une croix. Et quand on a dit une mission, il y avait une croix qui était dans l'église. Il y avait une croix dans la maison, mère. Oui. Donc, il y avait un signe de croix dans la maison. Il y avait un pasteur dans la maison. Il y avait un pasteur dans la maison. Il y avait un pasteur dans la maison. Et quand on a dit une mission, il y avait une croix. Il y avait une croix dans la maison. Il y avait une délivrance dans la maison. Dans le bâtiment, il s'est retrouvé dans l'église à Bongo. C'est-à-dire à côté de l'église, épanouissement a raté, changement a raté à cause. C'est mon Eliab. Zamba yebi singaï. Na fête ya kana, Jésus a Bongo la kima y vino. Kasi saliwana, bate ba mouna kite. Yamba souffle ngaï. Bi kenda na veni luka, na direction Birmani, derrière maison communale yangiringiri. Ni okomuna saliwana. Yango na ye po ye nzambe akosa kate po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te du nouveau à Kinshasa Ngiri-ngiri lati la mayasika la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité conditions VIP sécurité assurée tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, ni le part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Ha!
Merci, merci Seigneur, merci. Talabo que Sénézali, entre fête ou kendaka, il y a voisin et voisin. Ce qui est que Sénézali a solo, fête y a eu que ça la bokonate. Il y a eu Kanangwa. Merci, merci. Pasteur Simon Seliam, ça dit que nous avons rejeté. Parce que Dieu regarde au cœur. Un homme de Dieu, Dieu regarde au cœur. Dieu nous amène à la perfection, ça dit qu'on doit grandir. Lorsque une église, tu dois grandir. Mais lorsque tu ne grandis pas, un pasteur, un homme de Dieu, si tu as coulé ça, bon papa, ça fait mal. Ça blesse. Si tu as dans le lobby, comme moi, si tu as dans le ça blesse. Dans l'église de Dieu, voir un prophète, on a yébi. Voir des rapports sexuels avec des femmes. Et ça t'a mon corps. Tu imagines que ça fait. Ça fait mal, ça blesse. Et ça t'a mon corps. Mais un prophète de Dieu, oh yo, aïe aïe aïe, succès. Batou a quoi yaka, papa, mais Judas. Eliab, Dieu l'a rejeté. Et baso ça là, miracle, il habite dans quel esprit? Yo, quand la Bible est dans Romains chapitre 8, dans verset 5. Abissé en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Pour voir la Bible, on a dit que c'est un hasard à s'affectionner à la maman. Oh mon dieu, papa, si tu as un peu de temps, tu as perdu l'intimité, tu as un peu de que ça peut arriver, la bowling, la bango, les vidéos peuvent sortir. Mais deux, c'est bizarre. La Bible est claire dans Romains chapitre 8, ça dit que Batabon, Bazan et Souté, ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Bazan, l'Esprit est carrément, ils ont toujours Bassalama, Béti, Bakouf, le roi Bajuda. Mais en fait, c'est comme si Bandimi, Baza, Pekaka, Véglé. Parce que déjà, dans ce genre d'église, tu verras les gens venir toujours, Batoza, Batondi, Tondi. Sauf que le Bible aussi ma dadité, on a besoin de Dieu. Yosana n'est pas jugé. Et je me pose la question, je me dis toujours vivre wapi. Si un aveugle conduit un aveugle, ils finiront tous où? Dans la fosse. C'est-à-dire que ceux qui sont aveugles, en tout temps, aveugles, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne prient même pas pour les hommes de Dieu, ils ne prient même pas pour savoir que Seigneur révèle-moi qui est cet homme. Il y a une maman aux en Suisse à Bengengai parce que face à la baptême à papa ya bakamune singa qui passe au baptême mais en Suisse au banga singa des églises à malonge za kunate hein parce que bas croqué trop bambongo ma bébélé bélé tout ça. Moi j'ai pris Dieu sous l'ambiance. Imaginez mon tour n'allons pas censé natia n'allons pas na to pas faire un programme lobby for natia kaye sogi chaque dimanche Bengengai la salle appel vidéo avant ici bana na hôtel yaye à partir à WhatsApp parce que là-bas il a église à mon église. Oh mon dieu, celui-ci n'a pas carbon. Oh ça nini. Si quoi des enfants de Dieu pour mes nini. Ils appellent ma belle, cause à la peine un père spirituel t'es papa mourir à mourir au cambayo parce que la Bible dit confiez-vous à l'Éternel, vous sera fermé à ses serviteurs, vous réussirez. C'est à dire que pour réussir aussi il faut des hommes de Dieu. Hein, pour retrouver ses brebis, retrouver Baba chèvre, il faut s'anini au tout caper sa moine. C'est-à-dire il y a des cas où il faut consulter des hommes de Dieu. Mais j'ai toujours dit aux gens, pasteur Freddy, priez Dieu. Est-ce que pasteur Freddy est dans le vrai ou pas? Nous sommes vraiment là. C'est-à-dire que nous sommes mandatés pour Nabola Mounabino. Nous sommes là pour nous occuper au biquité. C'est-à-dire que nous sommes là pour nous changer. Tu dois persévérer comme Bartimée. Donc, pousser encore des cris, chercher encore Dieu jusqu'à ce qu'à hôtel et mapper sur solution. Mais beaucoup plusieurs, nous sommes là pour nous monter à l'éminaï. Si on enseigne la bataille, nous sommes dans l'église, nous sommes toujours dans l'autre mabé. Parce qu'il y a toujours des signes. Jamais redouter le pasteur, on a eu papa. Ce que nous avons douté même la pasteur, on a dit si nous avons dit cette église-là, ils ont dit. Alors, lorsque tu vois aussi des scandales autour de ton pasteur, ils ont déjà dit si nous avons dit avertissement.
Parce que la Bible nous dit dans Job chapitre 33, 14, 15 que Dieu nous passe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même à travers cette émission, Dieu te parle indirectement, évité. Dieu te parle peut-être dans ma songe, dans ma vision, mais on néglige. Nous avons là sur l'état d'âme, il y a pasteur, il y a l'état d'église, il y a l'autre abandon, il y a B par rapport à l'église. Mais jusque-là, il y a une décision. Au côté de la pasteur, il y a interprété, on est appelez-nous, nous allons vous expliquer. Parce que nous avons là pour ça, l'âme a perdu. Hein? Bah, si nous sommes papa, lorsque tu es dans l'église, les pasteurs ne martèlent pas sur la repentance. Que repentez-vous pour le royaume des cieux. Mais il y a une prospérité, il y a un bon, il y a jamais l'année à marteler sur la repentance. Sur que faire pour le royaume des dieux. Attention, cette église-là, il y a déjà Yamabe. Bon, nous pensons que bon, richesse, voyage, tout ça, belé. Mais que la vie éternelle, il y a un côté. Il y a un signe. Mais c'est la révélation, il y a mon Seigneur Nzambe, c'est la révélation église wana. Bo benga biso to aidé bino to ressembler Nzambe à orienter bino l'église à malam, hein. Même biso to sala sacrifice wana. Dans notre nom même ba vidéo, même ba prédication, même on peut faire un programme. Oh OK, to ressembler en ligne, on peut prier ba prédication zone dans chaque dimanche. Nzambe sala bika moi. Hein, jusqu'à ce que Dieu va te révéler une bonne église do kepekuna. Merci beaucoup pasteur Freddy, merci infiniment. Je crois que nous allons prendre la deuxième partie, mais avant tout, tous ces gens, bandeko, ou dans la carte de l'église, ou pasteur, ou dans la carte de sextape, ou comme pornographie. Pornographique. Excusez-moi pour le mot. Bah, pasteur, escroquerie, c'est-à-dire qu'il y a avant ça, mais la masse, mais la moto, tu n'as pas bon autant. Après, tu n'as pas bon à un mal sous téléphone, tu à qui parler sous tout, bandeko, on se tourne ou. Choqué. Oui, ce que je vois quelque part, il y a pas quelque part qu'on aurait su. Je ne suis pas pasteur, mais je ne suis pas pasteur Freddy Soki. Je ne suis pas pasteur Freddy Soki. Je ne suis pas pasteur Freddy Soki. Mais je ne suis pas parce que l'émission de Ossala, ça n'a pas été la réalité à Kinshasa. Même maintenant, dans les chaînes, dans la radio, dans la télévision, ça demande de l'argent pour évangéliser. Donc tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Bientôt, là-même, je parlerai sur le secret de la bénédiction. Au Banzambe. Le qui maman papa escroqué 1000 dollars à la solution. Mais pas moussé dans Zambi, même pas 10 francs. Mais à quoi il a ma boucle à battre ma bien 1000 dollars à pécer facilement. Mais au cours ma part à basse en Zambi vrai, on peut 50 dollars, 100 dollars. C'est là, c'est bizarre. Oui, mais pas moussé dans Zambi, c'est un ni bon ni l'eau à 5000 pour naïo. Mais négligence ou en a, et puis ça a même zambé place à ça. Hein? Et ça l'a bien été. Ça dit que Batébélé, Bazan a pas de problème, Bazan a pas de déception. Pasteur Freddy Soki a ça disponible. Bissot de terre a mon priorité. Mais ça qui est pour ça, dans les années, pour ça, Bissot qui yo osa salut. Parce que si on attend dans 1 Timothée, il faut attendre un papa, pardon. C'est très important. Et ça, mission d'un papa, c'est Bissot 1 Timothée chapitre 2, la bandit dans le premier verset. J'exhorte donc, frère, j'exhorte donc, ayant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ok. Pour ça, en Zambé Zanini, que Batounion se base à la premièrement sauvée, peut mener base à la connaissance et à la vérité, peut mener vie moko tranquille et paisible ici sur la terre. Mais plusieurs personnes bazo mener en ngote. Pourquoi? Parce que bazo semer la place ya mabe, bazo lo na la place ya malamote. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi je profite pour parler de le secret de la bénédiction. Plusieurs personnes ne sont pas bénies à cause bazo iba kopé sans zambété. Sur autant na Romains chapitre 11 verset 35 bi lezo koloba qui lui a donné le premier pour qu'il ait en recevoir en retour. Nana pe si nzambe mutali boso pour ye pe nzamba pe saye en retour. Ça dit que c'est mon soi na batebele bazala ngote ya ko pe sa nzambe ba. Ça dit bani nzamba sala nan. Après né ba pe si non, ce n'est pas comme ça. Lorsque yebi ke nzamba za nzambe, tu dois donner Dieu en premier. Et donner Dieu c'est à travers son serviteur. Ton église au respectera ni ba dim ni ba offrande. Sur le temps de Malachi, Malachi chapitre 3. Comment plusieurs personnes sont frappées de la malédiction? Ça dit que ça, la semence, n'a pas été botatée.
bazo récolter tes semences na bango wana. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils ne respectent pas le principe de donner pour y avoir recevoir. Bible ça koloba na Malachie chapitre 3. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Bozo ko sanzambe ba papa ba maman. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est-à-dire que beaucoup sanzambe na ba dîmes na ba offrandes. L'église osa au respectera ni ba dîmes ni ba offrandes. Mozo na po sanzambe tombola. Voilà pourquoi boka ouke koti na vie na yo. Parce que au ko sa kanzambe au respectera ba dîmes te ba offrandes na ote ba action de grâce bon monde au respectera ngote. Yo ta la ka intérêt na yo otalaka. Intérêt en zambete. Si Dieu lui-même était une offrande pour gagner l'humanité tout entière, pour nous sauver, Jésus-Christ était une offrande. Lorsque Ami Pessimbeka a confié à c'est quoi? De même, lorsque une personne sème, dans s'attendre la récolte, ceux qui au salon ont la bonne cause, au salon ont été ma lame. Abi, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Abi, boy. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Abi, pour vous, je m'élancerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ça dit que Boza frappé la malédiction à cause, il y a qu'on respecte la dîme dans vos offrandes d'été. Abi, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Papa n'a pas, maman n'a pas. Ce côté de la Bible, les gens dans vos offrandes et changent la décision ensemble. Dans Genèse chapitre 8, dans le temps de Genèse chapitre 8, lorsque Noé a payé offrande, Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8. Dans la Zambé, le secret de la bénédiction est à la hawa. Pour mettre en pratique, Zambé wana ko fongo la vie na ko pambolae. Na 20. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. Azui bloreza pur. L'offrande faut la pure. Pour que Zambé yanola, pour que Zambé change ma kam la vie na yo. L'Éternel sentit une odeur agréable. Lorsqu'il a donné, Dieu a senti une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. » Abi Buenavende, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça dit que, principe oyo, yako lona, pe yako buka, eko longwa te, etika libongo. Mais bate beli balingi ko lona te, mal balingi ba recevoir. La Bible me dit dans Ecclésiaste que l'argent répond à tout. Osa na po sambongo, melingo pe sans amete. Pourquoi Isaac, po la pambo la banana ye, alobi boye langanan, bo se langanan ou. Mais c'est-à-dire que pour recevoir la bénédiction, il faut ça la offrande. L'offrande pour attirer l'argent. Aux gens pour ça, il faut semer mbongo. Aux gens pour ça, il y a onction. Il faut ça là, ma gêne de prière, il y a ma kasi, aux gens onction. Mais aux gens pour ça, mbongo, c'est un mbongo. Aux gens pour ça, c'est un bouquet. Aux gens respecter ma principe T. Qui lui a donné le premier pour qu'il y ait recevoir en retour? Yona Niwana. Au pessimbongote, aux anaposambo. Le pressé trésor de l'homme, c'est son activité. Sémence noé beba. Moussa noé beba. Le pasteur Freddy est là pour vous bénir. Matéa oza tellement moulaïque. Nazan apposo comprendre les clés à bénédiction. Pourquoi Abraham, ce qu'on a dans Genèse chapitre 22. Abraham, dans ma sengiye, a sengiye Abraham. A sengiye Isaac. Imaginez. Lorsque Abraham a dit qu'on pèse Isaac. C'est alors que Nzambe a multiplié ce que c'est mon snaï. Non, Moutazo Pesa, Azo répond à nous, offrande. C'est-à-dire que, oh, Pesa, Zu Yango, Nzambe a multiplié Yango. Imaginez, Isaac a pèse, Abraham a pèse Isaac. La sima qu'on pèse Isaac, ce que Nzambe a lobby. Abi, banda le nom a pambolio. Nzambe a tombolé à cause Yanini, y a offrande. A pèsie ba nation, a pèsie postérité mobimba. Parce que a obéi khala mgongo. Denga la zote a yo. Si tu veux recevoir, pèsa Isaac na yo. Tu veux être béni dans le monde entier. Nzama multiplier postérité na onda sa ki na Abraham.
Pambola Nzambe, soutenir œuvre de Dieu. L'offrande déclenche la bénédiction. Tu veux recevoir plus, tu dois donner aussi. Tu dois donner à Dieu. L'offrande de Salomon, dans 1 Roi chapitre 3, le verset 4 à 13. Salomon offrit combien? 1000 holocaustes sur l'autel. Ensuite, l'Éternel lui apparut la nuit, dans songe. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. C'est-à-dire que l'offrande, lorsqu'il est agréable, et pour ces nzamba bimela yo ebisa vraiment moi nanga ozana pour ça na sel onine mais ta la bien sûr peut ça nzam après sinon on va manda ko senga et lorsqu'il y a pèse offrande de 6000 nzambe nzamba bi senga nga nyoso yo ozana pour ça ni mais par na yo peut tu dois le faire au mona ça dit que par ya mutu ezali l'offrande touche le cœur de Dieu. L'offrande touche le cœur de Dieu yo lingo si manzambe nzamba pambola yo zawa. L'offrande faisait l'agréable. Là, et l'autre monde a remarqué le locomoco. Batebele, basé pas dans Zambé. En Zambé, basé dans Posa, Batebele, basé dans Sauvé. Yo, l'ingimbo, tu ne fais pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu cherches premièrement l'argent, tu cherches premièrement le mariage, ton visa, mais tu ne cherches pas la première des choses, le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu veux être béni aussi par Dieu. Que la priorité soit. Dès ensuite, Zambé, bon, habitez-moi, on a sauvé. Si on a pécié, bon, on a même égarimenté. Mais yo offrande de liboso faut ça non les a vina yo. Après avoir opéci vina yo, ndes ko nzamba o pamolo facilement. Enfant de Dieu, bon respecter ba principe, on a comme presque na souka. Exode 35 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de cœur de bonne volonté virent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Pour tous pour soutenir les services pour soutenir l'œuvre de Dieu. Soyez animés de bonne volonté. Soutenez l'œuvre de Dieu et Dieu va se souvenir de vous. Banazambe, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais mission toujours les cas, ça coûte. Ici localement, nous passons à la télé pour évangéliser, pour les salut des âmes. Badwabik, nayo mutozo soutenir musa nzambe, nzambe ofuta biso ngalo ndenge moko. Son abete no témoignage on nzambe sayina nga vana le kanabino na te abino sur le secret de la bénédiction. Nzamba bandion non le pan nga moko. Abiyo lingo bandote abatou le secret de la bénédiction. Tu recommandes les gens de donner leur Isaac. Yo nzamba testé ngai. Na pesa témoignage oyo. J'ai prié la nuit na sisi nga parce que je priais Seigneur élève-moi bénis-moi. Et lorsque j'ai fini de préparer cette matière oyo, Dieu m'a dit ceci. Na moi na butu, na moi ni pasteur na ngai. Que je salue, venu sur Jésus le Kambakund. La monie na boutou, la monie a tombé l'enveloppe, bah tu vas sceller, bah soutenir Moussa Nzam. Et ngai, j'avais que, na caisse nanga j'avais 235 dollars, je crois. Et Nzam a dit singa, tu dois donner 200 dollars. Mon bimalanga zena wangwana, tu dois donner 200 dollars. Et c'est vu que na Moussa Nzam tous Nzam, na bi parce que j'ai besoin de la bénédiction. Na ke na zuni na zio front de wana. Wana na ndoto na zio front de wana senini. Na pesi na moni na koma ila banda ku mitu kama mebele. Eh, en alamu ki na sembe Dieu ke ta volonté soit faite. Na respecter lobby na ke pa pasteur onanga, na expliquer ndoto wana na zui mbongo na nga na pesi. Ona zaino na pesi et na zui maloba. Voilà pourquoi Isaac après ça ka maloba na Jacob. Et ngalo le autre bi Jacob. Donc si tu veux être béni, tu dois respecter le principe divin. O azo comprendre makambo yo Nzambe asimba yo o se manifester o soutenir musala Nzambe pe Nzambe ko pambola to za beskote lo lengeni no pesa ko fronde na yo lo lengeni no pesa ko fronde na yo. Voilà pourquoi semana mabele a mabe e botelo mbumate o pesa bambongo e bimate o loni lisangu o zo e dans lisangu e bimate quelle dimension au PC Lanzambe, na moté mani au PC Lanzambe. Donc ce qu'on s'est présenté offrande na yo. Bible ça dans Matthieu chapitre 5 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présente ton offrande. Tu offres mais avec des conflits banazam. Aux offres offrande moza na ba conflit. Imaginez, il faut beaucoup de temps. Dans ce cas, ma secret est belé. Tu sais que ben on a expliqué le secret belé à bénédiction. Ce qu'on a dans Luc chapitre 21, premier,
Jésus, ayant levé les yeux, vint, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux qui ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça dit que ça nous sommes basés bon. Hein? Na comme na souka. Papa, maman, oh yo veuve. A qui car on a deux pièces à pêcher en haut. Nzamba bia pesko le kabatunyo, so batwa ba kina ba superflu. C'est-à-dire elles ont pesa nzamba nzamba talaka. Ato pesi pasteur Freddy, so okosinga nzamba ende aroyeba. C'est-à-dire to sembe pona muta bia za na mbongote, oka za na mbong. Nzamba sungayo o comprendre makambo yo. Makambo ze belé sur le secret de la bénédiction, le secret de l'élévation. Mais nzamba simba nazo sembe la pona yo za na ba problème, simba place zo capable. Ndeka ko sense zo simba ngai. L'onction du Saint-Esprit est saisir yo. Oza la guéri misu na yo fongwama o mona clair mato ina yo fongwama o yo ka clair oza la guéri pour témoigner Jésus o nazotea. Son nom c'est Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Zamba visite bino proja malamo ne zamba za azala ngo pona bino zambe a atoza ki coupable zambe langa salo bolam pa limbi sa yo motoza ki ko respecter ba dim na bofonde te si ko sambelak. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon nom, c'est pasteur Freddy Soki. J'évolue à l'église Mission Évangélique Maranatha, 6 sur Avenue Kombe 6065. Nayolo Kapela. Mon numéro, c'est +243 82 37 47 046. Mon numéro, c'est +243 82 37 47 046. Et que mon Dieu vous bénisse. Tout le monde à la prochaine. Soutenez-nous, appelez-nous pour avoir problème. Zambako, visitez-moi. Si tu veux que quelque part, bolimbe sabiso. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Wendy, juste abandonner ni sa postérité, mon Dieu. Sans pain, sans pain, sans pain. Je ne point vivre, juste abandonner ni sa postérité, mon Dieu. Sans pain, sans pain, sans pain. Oh, yébi, mon démananga. Yahweh. Oh, mon gang, oh, yeah. You see, yeah.
kondo na chambia jungle kashi ni twila di bajachi chicken eye le bon berger. Comme la pluie et la neige, et son dessin n'y retournait pas sans avoir osé arroser.